Bien, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir invité à... Alors le titre que tu m'avais donné, c'était après les suites du congrès. Alors en fait, comme je ne suis pas obéissant du tout, je n'ai pas du tout fait ça. Ce que je voulais, c'est on a fait un truc énorme en 2018, hein, tous ensemble, puisqu'on a organisé ce congrès qui a été un grand succès. Et moi, je déteste le vide. Alors, une fois qu'on a fait un truc comme ça, il faut faire un truc encore plus gros. Donc, une fois qu'on a dit qu'on voulait faire un truc... C'est pas lui qui paye. Alors, la note va être salée, mais bon. Donc, on fait à l'américaine, puisque maintenant, on a fait venir les Américains à Paris. Ça vous rappelle quelque chose? Pardon? Non, on ne va pas tous à New York. Le slogan de la Children's Tumor Foundation, c'est « Ending Neurofibromatosis », qui signifie « En finir avec la neurofibromatose ». Donc moi, je trouve qu'on fait pas mal en France, que le concert, ça les a impressionnés, que le congrès, ça les a impressionnés. Donc je me suis dit qu'on pouvait vous proposer un programme qu'on ferait ensemble, qui serait « En finir avec les neurofibromatoses ». Donc voilà ce que je vais vous proposer et vous montrer comment on va faire. Alors, justement, c'est la raison pour laquelle moi j'ai souhaité que les patients, en tout cas les représentants des patients qui ont une neurofibromatose 2 et une schwannomatose soient présents. C'est que c'est une des discussions que j'ai avec Michel Calamarides longuement, c'est que l'approche de recherche, elle doit être la même, et qu'on a des objectifs communs. Et voilà un petit peu ce que j'ai listé, et vous avez reconnu NF1, NF2 et schwannomatose, tumeur. En plus des tumeurs, on aura dans la NF1 les difficultés d'apprentissage de l'enfant et de l'adulte, les anomalies osseuses et les anomalies vasculaires. Donc le programme, moi, aujourd'hui, que je vais essayer de vous proposer, est un programme qui ne va pas couvrir tous ces aspects-là, mais j'ai souhaité me concentrer sur une bonne partie sur les tumeurs. Il y aura une partie difficulté d'apprentissage. Et je laisserai ensuite place aux questions. Alors... Je voulais d'abord qu'on se remémore un petit peu ce qu'on a fait, parce que on a fait plein de trucs quand même ensemble, mais beaucoup, beaucoup de choses, et on a des témoins. Alors on a des témoins vivants, c'est vous, c'est moi, et puis on a des témoins morts, qui sont très présents en tout cas dans mon esprit, et pour lesquels je continue une force d'engagement majeure. Et puis en 2013, on se dit finalement... les neurofibromatoses, elles ont en commun des choses avec d'autres maladies. On va parler plutôt de ce qu'on appelle de rhassopathie, c'est-à-dire de tout ce qui va déréguler une voie qui va provoquer des tumeurs, qui est la voie RAS. Donc ça, on rentre dans le détail moléculaire. En 2016, en dehors des essais qu'on a faits, je vous en ai parlé l'année dernière, c'est la publication dans le New England Journal of Medicine de l'essai du selumétinib, donc l'anti-MEC, chez l'enfant atteint de neurofibromatose 1 avec des neurofibromes plexiformes internes, et qui diminue chez 60% des enfants de 40% le volume des tumeurs. Donc c'est la première fois qu'un médicament qui est dévié, dérivé de la recherche sur le cancer, montre une efficacité. C'est un NF2, donc 2009, NF1 2016, des essais thérapeutiques qui montrent que des médicaments peuvent changer la donne. Puis 2018, alors entre-temps, je vous ai embêté, je vois Jean-Michel en 2016, je lui dis, écoute, si on faisait un congrès mondial, donc on s'embarque là-dedans. Et puis, ça a été formidable. Hein. Moi,
J'ai un souvenir extraordinaire du concert des Coccinelles, qui pour moi a été vraiment une joie immense, une joie dont j'ai la nostalgie. Et puis un congrès qui est aussi un succès, hein, puisqu'on est à 900 inscrits participants. On a frisé les billes, on ne les a pas fait, mais l'objectif c'était 600. C'est-à-dire qu'une fois qu'on en a fait un, on en fait un deuxième, hein, forcément. Et donc il est probable que celui-ci ait lieu, et j'ose pas trop proposer Paris actuellement, parce que je me suis dit finalement pourquoi pas le faire toujours à Paris. Donc c'était un peu le passé que je voulais vous faire pour vous dire qu'on est quand même pas mauvais tous, hein, parce qu'on a fait quand même de grands chemins ensemble, et que y a quand même du lourd qui est sorti. On a réussi à attirer quand même des scientifiques, des associatifs du monde entier à Paris, et on n'a pas attiré parce que c'était Paris, on a attiré parce qu'il y avait une communauté de patients, une communauté de scientifiques et de médecins autour d'un projet, et que ce projet nous a apporté la renommée. Alors je ne suis pas mégalo, hein, du tout, parce que la neurofibromatose au plan mondial, c'est rien. C'est rien à côté du cancer du poumon, du cancer du côlon, etc. Mais dans notre petit monde, on est connus, et vous êtes connus, parce que vraiment, sincèrement, le cancer des Coccinelles, il a impressionné tous les gros donateurs américains du Children's Tumor Foundation. Vraiment. Ils ont vraiment vu qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Donc le présent, c'est quoi? Donc le présent, c'est d'abord un dispositif de la direction générale de l'offre de soins qui s'appelle le Centre de référence des neurofibromatoses, que je coordonne avec un site NF2 qui est coordonné par Michel Canemarides, un site NF1 supplémentaire qui est celui de Lyon, qui est un site constitutif, et puis des centres de compétences qui sont des centres de compétences disséminés sur le territoire français, et à Mondor, alors je parlerai spécifiquement de Mondor, je vous positionne un petit peu les choses. On est à 20 minutes de la Pitié pour NF2, et la Pitié est à 20 minutes de chez nous pour NF1, et à 500 mètres de Mondor, il y a le docteur Grisel qui est là, caché, qui développe la structure pédiatrique. Et je vais vous dire, le challenge qu'on va se dresser, c'est d'avoir une consultation, à mon avis, qui est intéressante pour le plan futur, qui est les ados. Il y a 15-20 ans, je pense que ça va être un enjeu. On a donc le département de génétique de Cochin, je ne sais pas si c'est un département, un service, moi je l'ai mis comme ça, Dominique, tu m'excuseras si je suis... C'est ça, donc c'est bien. Donc, pardon ? L'équipe n'a pas encore de numéro propre, on a encore les services 16 comme ça. Oui, enfin, je t'ai noté comme ça. Là. C'est ça, c'est tu vois, j'ai pas mal fait quand même. Tout ceci est correct. On donnera la parole tout à l'heure à Dominique pour nous juste faire un petit point. Même si on en a parlé dans la revue. Voilà. Que elle puisse, donc, en gros, pour vous dire qu'il y a trois équipes de recherche qui sont très intéressées et à mon travail ensemble, c'est la génomique et l'épigénétique des tumeurs rares de l'Institut Cochin, qui est dirigé par Éric Passement. Une équipe neurofibromatose 1 de l'Institut Mondor de recherche biomédicale, qui est dirigée par Piotr Trupko et moi-même sur la partie NF, et par Nicolas Horton globalement, et l'équipe de c'est Marc Sanson qui dirige, oui, donc Marc Sanson de neuro-oncologie expérimentale à l'ICM. Alors vous allez remarquer une chose, et ça c'est pour ça que je souhaitais qu'il y ait les gens qui s'intéressent à la NF2, c'est que autour de ça, ces tumeurs, donc là, le gros du paquet, qui est le paquet recherche, là, ces tumeurs, mais je vous dirai un petit peu ce qu'on va faire aussi sur les autres aspects. On a une association puissante, qui est l'association Neurofibromatose et von Recklinghausen. Et puis, un bras armé l'association, qui est la fondation CAPNF, contre les tumeurs de l'enfant et de l'adulte atteints de neurofibromatose. Donc ça, c'est le présent. Alors, après, je vais essayer d'être... Je voulais passer un tout petit peu de temps là-dessus, avant qu'on passe au futur. Donc le présent, c'est qu'on a changé
les critères diagnostiques des neurofibromatoses, de la NF1, de la NF2, des schwannomatoses. Donc je voulais vous en parler parce qu'il y a un petit sujet de sémantique, de vocabulaire. Donc je voulais qu'on soit tous d'accord et que vous approuviez ou désapprouviez d'ailleurs cette... Alors, les critères diagnostiques, vous avez vu qu'en 1988, ils ont été un enjeu scientifique puisque ça permet de classer les patients en vue de faire des études génétiques. Ça permet également de dépister les malades sans avoir forcément à faire de la biologie moléculaire. Et c'est donc un instrument qui est un instrument très utile pour les scientifiques et, pour le suivi en routine. Donc, je vous ai mis les deux versions. Je suis désolé, c'est en anglais, mais on va les traduire dans toutes les langues. Hein. On a un projet assez mégalo avec les Américains qui est de diffuser ça sous la forme... on a 20 ou 30 langues cibles, donc on va y aller. Donc, pour la NF1, il y a des petits changements. Le premier truc qui a changé, c'est qu'il y a la mutation... qui est incluse dans les critères diagnostiques. Jusqu'à maintenant, parmi les critères diagnostiques, il n'y avait pas la recherche de biologie moléculaire. Et c'est un peu idiot, parce que c'est vrai que quand on a une mutation NF1, généralement, on a la NF1. T'es d'accord, Dominique ? Bon, donc voilà. Donc c'est rajouté. Le deuxième truc qui a été rajouté, c'est qu'il existe des signes ophtalmologiques qu'on peut voir avec un examen spécial qui s'appelle l'OCT, qui sont des taches café au lait sur la rétine, qui n'ont aucune influence sur la vue, mais qui sont spécifiques. Donc, ils ont été rajoutés au nodule de Leech, mais nodule de Leech et OCT compteront pour un. C'est-à-dire qu'il faut et ou. Soit on a l'un, soit on a l'autre, soit on a les deux. Pardon ? Est-ce que ça peut se confondre avec la cataracte ? Ah, pas du tout. Non, c'est 13 heures en arrière. La cataracte, c'est cristallin, c'est en avant. La rétine, c'est en arrière. Donc, on ne peut pas confondre. Même un très mauvais. Donc, voilà. Donc, si c'est ça la question, même un très mauvais ne peut pas confondre. Donc, ça, c'est pour... pas de grands changements en ce qui concerne la NF1, si ce n'est l'inclusion de la recherche de mutation NF1. Alors, il y a un sujet NF2 et schwannomatose, parce que c'est compliqué. Alors là, pour le coup, très compliqué. Donc, la NF2, la neurofibromatose de type 2, elle a un mauvais nom. Parce qu'elle ne donne pas de neurofibrome, elle donne des schwannomes. Donc, c'est pas clair. Donc, l'idée, c'est de changer la terminologie est de dire on va regrouper ce qui donne des schwannomes dans un seul mot qui s'appellera les syndromes de prédisposition aux schwannomes, dans lesquels on aura deux maladies, la maladie anciennement neurofibromatose 2 et la maladie schwannomatose. Vous voyez que c'est compliqué quand même, hein. Alors, ensuite, à l'intérieur, vous aurez donc la neurofibromatose 2 et la schwannomatose. Pour la neurofibromatose 2, ça s'appellera syndrome de prédisposition au schwannome associé à une modification de la protéine Merlin. Et les critères diagnostiques ne vont pas fondamentalement changer. Je vais te les passer... de manière à ce que tu les aies en primeur. C'est pas moi qui les ai faits. Je ne suis pas spécialiste. Et ensuite, il y aura les critères diagnostiques pour les syndromes de prédisposition au schwannome associés à une mutation spéciale dans le gène que vous voyez là, et puis prédisposition au schwannome dans un autre gène qui donne les schwannomatoses, qui est le LZTR1. Donc vous voyez que ça se complique, mais ça se complique dans le bon sens. Ça ne se complique pas pour compliquer les choses, mais ça se complique parce qu'on comprend les choses et qu'on dit ceci de manière plus sioux, si j'ose dire. NF1, neurofibromatose 1, schwannomatose,
neurofibromatose de type 2. Alors, il y a une question qui se pose et que je vous demande, à laquelle je vous demande de répondre, et en particulier les gens qui sont intéressés à la par la neurofibromatose de type 2, pas pour ceux qui ont une schwannomatose, est-ce que le changement de terminologie vous gêne? Parce qu'à un moment donné, on n'est plus dans le groupe des neurofibromatoses, on est dans les rhassopathies, on n'est plus... Donc, il y a un moment donné où le choix de la terminologie compte aussi. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas d'action là-dedans, c'est-à-dire que... Mais il y a des gens que ça peut gêner en se disant « Moi, j'ai une neurofibromatose de type 2, je ne veux pas avoir un certain nombre de prédispositions » au schwannome associé à un changement de la protéine Merlin. Pour en revenir à la communication, comme disait Jean-Michel Dubois, je pense qu'on aura une grosse difficulté à dire à quelqu'un qu'il est malade s'il a un syndrome de prédisposition à quelque chose, quel que soit ce qui suit. Oui, je suis d'accord. Donc je ne pense pas que ce soit un bon nom. Non, mais c'est... Mais la présentation que je vous fais est une présentation qui est simplement... destiné à voir vos réactions. C'est-à-dire que cette présentation fait partie du processus. C'est-à-dire que le processus de présentation aux associations est un processus fondamental pour dire go, no go, pour aller ou pas aller. Donc, je bien entendu, je serai votre porte-parole ou ambassadeur. Pierre, si tu permets, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Paul, parce que moi, ça me blesse. Enfin, ça me fait mal que les NF2 se sentent rejetés. Parce que on tient notre S à neurofibromatose et on se bat pour ça tout au long de l'année. On finance des programmes NF2 et on insiste vraiment, on fait des permanences, on finance des permanences et moi je me sens pas plus concernée par la NF1 que la NF2, même si évidemment dans mes proches je sais plus de choses sur la NF1 que sur la NF2, mais je me sens autant concernée par les problèmes de Paul que ceux de mon neveu, que ceux des autres gens qui sont là. Et si on change le nom, effectivement, ça complique encore notre communication, parce qu'ils ont déjà un ressenti de rejet qui, selon moi, n'est qu'un ressenti, et on essaye de travailler là-dessus pour gommer ce ressenti dans la communication. Le OSE, il n'y a pas de NF1, il n'y a pas de Recklinghausen, il n'y a pas... Enfin, on ne communique pas sur une neurofibromatose, on communique sur les neurofibromatoses. On ne va pas s'en sortir, et le rejet, effectivement, sera encore plus ressenti fortement, et on aura encore plus de mal à lutter contre ça. Et on a déjà beaucoup de travail, si en plus on doit se rajouter des ressentis importants, ça va pas le faire, quoi. Christelle Carillon, je suis psychologue à la Pitié-Salpêtrière avec Michel Calabarides et Mathieu Père auprès des patients NF2. Et je crois que là, on a affaire à deux réalités différentes. Il y a une réalité biologique, il y a la recherche, à l'avancée des recherches sur les caractères communs aux maladies. Et puis il y a une réalité clinique, qui est celle des patients, au travers de trois maladies finalement très différentes, même s'il y a un soubassement semblable, donc là, la NF1, la NF2, là où les schwannomatoses, et je crois qu'il y a vraiment aussi pour les patients un sentiment d'identité très fort lié au nom qu'on donne à la maladie, aux caractéristiques communes qu'on peut identifier, partager, et c'est vrai qu'on a quand même trois pathologies très différentes les unes des autres. Je pense que c'est important pour les patients, pour... effectivement, par rapport à ce que disait Paul, de cette identité, de se sentir quand même avoir une définition commune, des caractères auxquels on peut se rattacher, se sentir quand même faire partie d'un groupe de malades identifiés. Je pense que c'est important de garder cette notion de réalité clinique des patients au quotidien. Donc je remonterai en tout cas les informations que vous m'avez données, en tout cas qui sont extrêmement concordantes avec le ressenti qui a été celui de tous les patients dans le monde entier, en tout cas dans le monde européen et nord-américain dans lequel a été testé le changement de dénomination. Alors, j'ai commencé le futur par le présent, et pour vous montrer effectivement que même si cela couvre des réalités qui sont des réalités extrêmement différentes, il y a quand même un substratum qui est un substratum commun si on veut faire un plan pour les 5 prochaines années ou les 4 prochaines années pour essayer d'avancer.
Alors, premier point, les collaborations industrielles, ou la collaboration industrielle. Donc ça, c'est un point fondamental, et c'est quelque chose qu'on avait déjà initié avec Michel Calamarides quand on a fait ce premier essai avec l'Everolimus. Donc l'Everolimus, c'est un inhibiteur de mTOR, hein, qui est une voie qui est impliquée à la fois dans NF1 et NF2. Et donc, quand moi, j'avais obtenu le médicament pour la NF1, j'avais obtenu l'autorisation de donner le nom de Michel et de négocier immédiatement le site NF2 s'est emparé de cette opportunité. Michel a fait un essai Everolimus dans la NF2. Donc en gros, les collaborations industrielles, c'est le premier qui la donne à l'autre. C'est ça le jeu entre nous, puisque Michel, toi Mathieu, tu as des contacts avec l'industrie qui ne sont pas forcément communs. Et on n'est pas de trop de 3, 4, 5, 6 pour contacter les industriels. Alors, premier industriel aujourd'hui qu'on a comme collaborateur, c'est AstraZeneca, dont vous avez vu qu'il est le détenteur du selumetinib. Donc le selumetinib, c'est ce médicament qui est utilisé chez l'enfant aux États-Unis, qui va avoir l'autorisation de mise sur le marché dans le traitement des neurofibromes plexiformes. Et après 3 ans de bataille, et à la suite du congrès, on a obtenu le financement d'un essai en France. Ça a été très difficile, et donc maintenant je lance la possibilité qu'on l'ait pour NF2. Ça date d'il y a 4 jours, hein, cette histoire, donc on est vraiment, vraiment, c'est tout neuf. Donc ça veut dire que si moi je suis bon dans les délais, ils nous ont donné 3 mois pour faire le protocole complet, donc on est en mois de mars, avril, mai, juin, clairance administrative 6 mois, on commence au premier trimestre 2020. Sans compter la loi de Hofstadter qui dit que tout projet met plus de temps à se faire, même en tenant compte de la loi de Hofstadter, on peut être à peu près... raisonnablement, premier trimestre 2020, c'est jouable. Et SpringWorks, qui est un nouvel acteur, qui est en fait un paravent, c'est ce qu'on appelle un spin-off, c'est-à-dire quelqu'un qui se cache derrière, c'est Pfizer, le laboratoire. Donc, quand un laboratoire ne veut pas apparaître en première ligne, il crée une boîte pour faire semblant de ne pas apparaître en première ligne. Donc c'est un spin-off de Pfizer qui va donner des MEK inhibiteurs, donc des médicaments de la famille du selumetinib. J'ai oublié de mettre une boîte qui s'appelle Supersonic. Alors Supersonic, c'est une boîte qui est spécialisée dans les échographies de haute performance. Donc les échographies de haute performance, elles ont 2 intérêts. De pouvoir faire du transcrânien, donc ça intéresse mes amis qui s'occupent de la NF2. Et ils ont fait un papier que je trouve absolument extraordinaire. Je vais vous laisser méditer là-dessus parce que c'est pour moi un des plus beaux résultats de l'histoire de l'humanité. Dans Nature, ils ont fait du transcrânien pour regarder la consommation d'oxygène du cerveau. Et quand on pense, on consomme de l'oxygène. Et ça veut dire que plus on pense, plus on oxygène son cerveau. Moi, je trouve ça génial. Après, donc il y a ça, c'est supersonique, donc ça on les a attrapés, les supersoniques. Et on a Tridimeo, alors ça c'est très NF1, c'est un appareil photo qui permet de faire de la photo en 3 dimensions, de manière à pouvoir mesurer le volume de manière répétée. Alors les équipes de recherche, elles sont à peu près toutes sur la même ligne en Ile-de-France, soit des modèles in vitro, c'est-à-dire en gros des modèles cellulaires qui permettent de mimer la maladie dans des tubes, soit des modèles animaux, et c'est vrai pour le modèle méningiome de NF2, et c'est vrai pour le modèle NF1, et c'est vrai pour les modèles développés par l'Institut Cochin cellulaire qui permettent de faire ce qu'on appelle du criblage, puisque c'est ça qu'on va viser, c'est-à-dire le tri des médicaments à la chaîne. Et il n'est pas évident qu'on y arrive dans le public, donc il n'est pas exclu qu'à un moment donné, on soit... dans la création de ce qu'on appelle des biotech pour pouvoir aller plus vite. Parce que les médicaments, c'est aussi une course. Alors 2020, c'est essai selumetinib, donc neurofibrome plexiforme chez les enfants de plus de 15 ans
c'est ce dont je viens de vous parler, donc c'est AstraZeneca, et donc on va passer la balle à Michel et à Mathieu de manière à ce qu'ils puissent demander à AstraZeneca un replicate sur la NF2, voire sur schwannomatose. L'essai d'Isabelle Hertz, qui est un soutien de l'association, donc, qui est dirigé par Curie, et qui est un essai super original parce qu'il traite tous les âges, enfants, ados, adultes, et avec un concept nouveau qui est dérivé de nos recherches sur la souris, c'est d'utiliser un inhibiteur de MEK, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble au selumetinib mais qui est fabriqué par un autre. Et on a constaté que chez la souris, au moment où les neurofibromes apparaissent, il y a un infiltrat inflammatoire, il y a de l'inflammation. Et donc l'idée, c'est d'associer un médicament qui va bloquer certaines cellules de l'inflammation et qui probablement aidera l'organisme à lutter contre l'émergence des tumeurs. Donc c'est un essai qui vise à tester cette association. Je vais préciser, Pierre, oui. Pour tout le monde. Donc, c'était le mois dernier, oui. Isabelle Hart qui m'a sollicité, et on a regardé ça avec le conseil d'administration, donc pour qu'on apporte un soutien, puisqu'elle a déposé ce qu'on appelle un PHRC, Programme Hospitalier de Recherche Clinique. C'est-à-dire, c'est un financement officiel, hospitalier, pour les travaux dont parle Pierre. Donc, on a, j'ai rédigé une lettre et qu'on a vue ensemble pour apporter notre soutien, parce que dans le cadre du PHRC, il est important qu'elle puisse faire état du soutien de l'association et de l'intérêt que nous, on manifeste pour les travaux et le financement qu'elle souhaite obtenir. On n'a pas encore eu le résultat de la décision, on va dire. Juin, voilà. Donc, bon, après, on verra avec Pierre, avec elle, si jamais il faut mettre la main à la poche. Enfin, ça, chaque chose en son temps. Mais bien évidemment, on souhaite qu'elle ait le financement officiel et qu'on soit tenu de participer, nous. Alors, oui, c'est important parce que, enfin, je vais détailler juste un tout petit peu, c'est que c'est triangulaire. Hein. Donc, il y aura le laboratoire, je ne me souviens plus lequel c'est Novartis, je crois. Novartis qui va donner la molécule, donc c'est eux qui donnent le médicament, gratos, enfin, ils le donnent gratos, rien n'est jamais gratuit dans la vie. Ils le donnent. Ensuite, l'association apporte son soutien, en tout cas moral, dans un premier temps, et le PHRC, c'est-à-dire l'assurance maladie, donne de l'argent pour faire l'essai. 2020, ça va être le début de ce qu'on souhaite, qui est une preuve de concept pour les neurofibromes cutanés, qui va être de suivre les patients avant l'essai qu'on espère monter avec Pierre Fabre Dermatologie, c'est-à-dire de regarder ce qui se passe, si on peut surveiller les gens avec des questionnaires, des échographies, de l'imagerie sur les neurofibromes cutanés. 2020, ça va être également le développement au centre hospitalier intercommunal de Créteil d'une cohorte d'adolescents, c'est-à-dire qu'il est fondamental, si on se projette dans un avenir non lointain, de déterminer si on a des biomarqueurs d'imagerie, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'on peut prédire avec une boule de cristal améliorée si un individu aura peu ou beaucoup de neurofibromes cutanés par des échographies de haute performance. Et puis là, on lance un truc un peu nouveau parce que j'ai réussi à convaincre les neurologues du centre de référence du Huntington, donc qui sont des spécialistes de la cognition, essayer d'étudier les difficultés d'apprentissage chez l'adulte atteint de neurofibromatose. Donc ils voient en ce moment en patient expert tous les malades qui se plaignent de près ou de loin de difficultés à l'âge adulte. Je les envoie faire un bilan et puis on verra si on ne peut pas faire de l'interventionnel après qu'on part. Donc si vous êtes ok pour une cohorte électronique de patients atteints de neurofibromatose avec un S, on part dans le monde. C'est à dire que comme je suis un grand mégalo, une fois qu'on a lancé en France, il y a un instrument dans Compare qui s'appelle Repeat, qui permet immédiatement de répéter ça dehors. Et moi, je suis sûr que si on arrive à avoir 1000 malades ou 2000 malades en France, les Américains, ils vont faire le concours habituel, ils vous en donneront en avoir 3000, 4000, et donc ça va être un succès.
Vous avez vu qu'en 2019, on fait du screening de molécules, donc on aura des médicaments d'intérêt qu'on aura pu sélectionner par les modèles in vitro et par les modèles animaux, et vous avez vu que CAPNF intervient également. 2021, une fois que la cohorte d'adolescents est constituée, on aura des biomarqueurs d'imagerie qui nous permettront de savoir si on peut voir les différents critères qui nous permettront de prédire l'évolution des malades. Dans le domaine de la neurofibromatose 1, on aura des essais de topiques, c'est-à-dire de crème. C'est 2021. Le selumetinib va arriver avec une autorisation de mise sur le marché qui sera autorisée. Il doit l'être aux États-Unis début 2020. Et schwannomatose NF1 et NF2, moi je veux plus de 1000 malades en France inscrits sur les cohortes. Et puis on continue à lever des fonds. Et là on arrive en 2021 à Rotterdam, puisqu'il y a le congrès européen qui se passe. Là, ils vont avoir du mal à faire mieux qu'à Paris. Hein. Ben, c'est vrai. Alors, 2022, Rotterdam, c'est... essai selumetinib en cours pour les deux maladies, j'espère, NF2, NF1. Essai trametinib, donc c'est l'essai à Hertz, j'espère qu'il sera en cours. L'essai topic NF en cours. Et puis là, on se met à avoir une stratégie de prévention des neurofibromes cutanés. Parce que c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que si mes hypothèses sont exactes, et si la souris est un bon modèle pour l'homme, on peut imaginer qu'on saura détecter les neurofibromes naissants et qu'on pourrait essayer d'avoir des stratégies de prévention, se disant que, par exemple, je peux traiter tous les 3 mois, pour un mois de selumetinib, pour éviter que ça pousse, par exemple. Diffusion donc de compas en Europe et dans le monde, et puis à nouveau un congrès mondial NF, donc on verra où il se passera celui-là. Je ne plaisante pas une seconde, ce programme il est crédible, il est faisable, mais il a besoin derrière d'une force majeure d'engagement. La force majeure d'engagement, l'équipe du centre des neurofibromatoses, les vidéos, Michel, Mathieu, l'équipe de Mondor, les gens présents ici, on l'a. Et derrière la force de l'engagement, vous savez ce qu'il y a ? Il y a la pensée. Il y a la pensée. Et donc on a vraiment besoin derrière qu'il y ait une force d'engagement majeure de l'association. Parce que vous avez fait preuve de votre dynamisme et de votre grandeur et de la force que vous avez eue de mener toutes les actions qui aujourd'hui ont conduit à la transformation vraiment à grande échelle de votre investissement à la fois financier, humain, avec une fondation. On a fait œuvre de communication, vous avez changé un petit peu de tunique. Il y a eu un concert qui a été extraordinaire. Mais qui aurait pu être encore plus extraordinaire parce que tout le monde aurait dû venir à Paris, parce que c'était vraiment bien. Donc vous avez été capable de ce truc-là, on a été capable de monter un congrès, donc on est capable de lever 1 million d'euros par an pendant 5 ans. Ça, j'en suis convaincu. Et plus on aura de résultats, plus on aura de l'argent, et plus on sera fier de ce qu'on fait. Et moi, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, hein. J'ai 10 ans. Comme disait... c'est lui qui le disait. Alain Souchon. Ah oui. Donc voilà, donc j'ai 10 ans. Si tu as 10 ans, tu as encore le temps. Et vraiment, il faut qu'on ait... Il faut vraiment que derrière, vous soyez là, parce qu'on a vraiment besoin de vous. On a besoin de vous comme patients. On aura besoin d'adolescents qui viennent au CHIP pour être suivis. On aura besoin de volontaires pour nous critiquer dans les essais qu'on imagine de monter. On aura besoin de la force des militants pour lever de l'argent. On aura besoin d'une visibilité. Et j'étais très sensible à ce que vous dites pour le nom. Mais on a besoin de rendre visibles ces maladies qui ne le sont pas de manière
fondamentalement, on n'a jamais réussi à avoir un impact durable. Si on a eu des impacts brillants quelques semaines, on a réussi ce coup-là. Mais sur la durée, on n'a jamais réussi à l'inscrire dans des événements répétés, hein, comme le fond, le Géniton, etc. On n'a jamais réussi à avoir des événements répétés. En tout cas, voilà moi aujourd'hui ce que j'appelle de... pas de mes voeux, parce que je le ferai, même si vous n'êtes pas d'accord.